YouTube. Poète, YouTube, poète. Tac, désolé. Paf, donc on commence par le plus commun des trois. Le plus commun des trois mortels. Ouf. Ne pas faire tomber le CD, ne pas faire tomber le CD, ne pas faire tomber le CD. Ça va le faire. Je suis pas doué, mais ça devrait le faire. Hop. Et poète. Hop là. Hop là. Tac, j'espère qu'on est bon au niveau du son. N'hésitez pas à me dire si on est trop fort, si ça marche trop fort ou pas. Normalement, je dû monter un tout petit peu le son de mon côté. De votre côté, on est un petit peu haut également. N'hésitez pas à me dire si ça gueule trop. Parce que là, mon ami, en plus, c'est des trucs avec des robots. Et... vérification de la carte mémoire. Merde, j'ai oublié. Machin d'abruti. Hop. Par contre... ah ouais. Une galaxie. Par les étoiles. Hop. Alors attendez. Je recadre à peu près le bordel dedans. Voilà. Tac. Donc on a un mode histoire, un mode combat, un mode collection, un mode échange, défi, option, modifier force, c'est quoi ça? Ok. Bon, je sais pas ce que c'est. Je ne sais ce que c'est. Ça sauvegarde. Aucune idée de ce que c'est. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est que ce bordel. Histoire. On va tenter un mode histoire, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors le collègue qui m'a filé ça m'a dit que c'était particulier. Il a pas dit mauvais, il a dit particulier. Ok. Même pas un petit peu de parole, quoi que ce soit. Non, juste un fichier vidéo avec de la musique techno pourrie. Je suis un robot. Passé ou pas ça? Ah oui, excusez-moi. Désolé. The day after a meteorite fell towards Safari Town, a boy went in search of it, hoping to find. Excusez-moi, je passe le lore. Je vous laisserai voir sur internet si vous voulez voir le lore. Hi. Désolé, j'écoute beaucoup, mais j'ai des mouches qui m'emmerdent. Gotchaborg. Ok. Je le fais Gotchaborg. Ok. Oh, j'ai rien à comprendre. Une seconde. De force de la mort. Bah ok, c'est parti. Me dis pas que c'est du tour par tour s'il te plaît, me dis pas que c'est du tour par tour. Non. They are the Death Force. They are an evil Gotchaborg. Je suis des Gotchaborg, on a seulement pour détruire. Your fighting courage turns into GF energy. Now, give me your orders, GF commander. Attends, flingue les mouches déjà. Alors, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste bizarre. Parce que, en fait, il autofocus tous les trucs qui se passent autour de vous. Et des fois, il se bat au corps à corps et des fois à distance. Alors, c'est très bizarre parce que le robot est bien fait, mais le reste est dégueulasse.
Pourquoi le robot il fait l'amour au micro? Oui, c'est bien. Voilà, c'est bien. Thank you. D'accord, jeu de mots. Let's join force. We are the gotcha force. Parce que la musique est pas trop mauvaise encore. Ah mais d'accord. En fait, le Gotcha Force, c'est un petit robot, mais il est tout petit le robot. C'est pas lui qui vient nous sauver, c'est nous qui le sauvons. C'est un autre style. D'accord, donc claque les roues. Hi. D'accord. Facile à mon goût. J'ai spammé les boutons comme un gros con et c'est passé. C'est normal ça. C'est entre satisfaisant et un peu trop simple à mon goût. Pas comment expliquer ça. Ça y est, la sensation d'avoir tout donné, d'avoir gagné, mais d'impression que l'autre s'est couché. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de sensation très bizarre. You easy. D'accord, donc je suis un, c'est un Pokémon quoi. Ok. Ouais, c'est très bizarre. Sensation de se faire prendre pour un con alors qu'on est, on a l'impression d'être à fond. C'est bon au niveau du son d'ailleurs, j'ai pas. Personne m'a dit. Bon, tant pis, c'est pas grave. Les gens ne sont pas là. Ils ne parlent pas. Il y a du monde, mais personne ne les parle. Bon, écoutez, on va. Ah, il faut sauver la petite fille. Ah non. On est à deux. On est à deux. Alors comment on gère les deux? Mana, mana. Je veux jouer au docteur, je crois. Moi. Ouais, donc t'as une espèce de dash. Un espèce de dash assez puissant. Ok. On m'a touché. On l'a gagné ou on a perdu? Ah, on a gagné. Vous voyez cette sensation de j'ai gagné ou j'ai perdu, alors que vous avez l'impression de vous être fait défoncer la tête, mais ok. Ah, j'aime bien ce principe de promener sur la carte comme ça un peu, sauf que s'il y a que ça comme carte, ça va être vite fait chiant, je pense. J'aurais préféré une carte avec un petit personnage qui se promène, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Allez, Kakeru, viens de battre avec nous. Ah non, du coup, c'est ça, on récupère des copains et après les copains nous aident. Cool. En plus, je sais pas comment expliquer ça, mais vous avez une espèce de très mauvaise inertie. C'est-à-dire que des fois, vous avez l'impression de faire des trucs.
Et en fait, c'est pas vrai du tout. Ouais, donc vous avez une espèce de dash qui vous emmène assez loin. Ça permet de vous faire défoncer. Après, sauf si vous leur foncez dedans, vous avez un dash. Ok. C'est très très particulier. Vous avez l'impression de maîtriser le truc et en même temps de rien maîtriser. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas désagréable, hein. Mais c'est pas fou. Enfin, c'est pas fou, c'est pas. Téléchargez-le illégalement et jouez-y. Hey, you. Pour le tester. Je vois que ça. Non, je veux la copine. Ouais, elle a mis ta coup de piqûre. Attention, ils ont le Covid. Pardon. You're no match for me. If you oppose Katsumi, you'll regret it. Qu'est-ce que tu vas faire à Katsumi? Ça va aller, ouais. Laissez-la tranquille. C'est une très très bien. Wait, do it. Ça. Ah, donc vous avez une espèce de dash que vous pouvez lancer pour éviter les attaques. On va leur sauter et vous avez un système de... C'est bon, je suis pas dit, j'ai l'impression. Voilà, allez, tape-le. Mets-le. Voilà. Merde. Il a réussi à m'avoir. Ah. Kamehameha. Ouais. C'est la première fois que je fais toucher par un autre ennemi et c'est pareil, c'est très bizarre. Ouais. Bon. Ça fait chier de passer que 12 minutes là-dessus, mais d'un autre côté. Franchement, c'est bizarre. Après, il est pas. Enfin, il est pas moche. Attendez, hop, je remets juste une seconde la scène pour que vous puissiez voir. Il est pas moche en soi. Ils en ont fait un truc propre, une plantation avec, vous voyez, les personnages ont une bonne bouille. On a une musique un peu, bon, qui tourne en rond, mais qui est pas désagréable. C'est dommage, ouais. Je sais pas. On va essayer d'aller un peu plus loin, voir ce qui se passe, mais. Oula, j'ai gagné 800 derniers GF, je sais pas quoi ça sert. On va pas expliquer à quoi ça sert, voyez. D'accord. Alors, si je modifie ma force, qu'est-ce que ça fait? These are the gacha boards you have. Recruit a gacha board from the gacha box to your force. Niveau 1, niveau 1, niveau 2. Hop. On va te mettre là. On va te mettre ici. Voilà, c'est bon? Non, c'est pas ça. Il fallait les mettre là. Y'a rien qui dit comment tu veux devenir ça, quoi. Je sais pas si c'est bon ou pas. D'ailleurs, j'ai pas changé le titre du stream, tiens. Faites bien me penser. Bien vu. Hop. Ouais. Bon. Alors, on en fait encore un ou deux, puis mais les combats sont pas... Je sais pas. Force rouge. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais dites-moi ce qu'il faut que je fasse, dites à la force. Que la force soit avec moi. Mon dieu. Comment choisir? J'en sais rien, ouais, je prends ça.
Nul. Pardon. D'accord, donc j'ai un dash. Ok. Ah donc je peux faire... Je vais mettre un mode suivi en le focusant et en me rapprochant. Voilà. Donc en fait je peux le... Ok. Ouais. Ok. Donc dès que t'es au corps à corps, t'es intuable. Hein. C'est pas... Ah non, ok. Bon. Ouais. Ok, ben, c'est très particulier. C'est la même chose que tout à l'heure. Sensation d'avoir gagné sans avoir rien fait de particulier en dehors d'appuyer sur les boutons un peu au hasard. Et oui, sérénité. Ouais, donc en plus vous bougez pas cette carte là. Non mais par contre ça va être compliqué ça. Il y a un moment où il faut... Non, il n'y a pas autre chose que ça vraiment. J'espère que c'est quand même pas que ça, ça fait un peu mal. Ah, j'ai Kakelo, Mana. On va essayer avec lui il y a plus de bonhommes. Ouais mais je comprends toujours pas. Je peux rien toucher, je peux rien bouger, donc... Incompris. Allez. Donc vous avez la moyenne de focus un ennemi et... Voilà. Vous avez les moyens de vous passer au corps à corps d'ennemi et d'arriver à peu près à les taper, ok? Ok. Alors je sais pas où est votre vie. Y'a rien indiqué. Et après... De notre côté. Oh merde. Ça me fait penser un peu à comment il s'appelle ce jeu déjà. Comment c'était ce jeu? C'était un jeu japonais avec là-bas en haut. C'est un jeu japonais où ça faisait pareil, un peu des trucs avec des robots, mais c'était moins pire que ça. Là, c'est vraiment très très désagréable. On va être franc. Ok. Ok. Bon, en dehors du fait qu'on a de la vie en bas à gauche, là, j'ai compris, c'est bon. Donc la vie est en bas à gauche. En haut à gauche, c'est pour monter. Enfin, pour voler, pour taper, c'est une espèce de force. Donc, j'ai ce que j'ai compris, t'as des barres de force, etc. Ah! J'aurais bien fait de jouer un peu plus longtemps pour voir ce que c'était après derrière. La question à 100 balles. J'ai pas l'impression, hein. Ah si. Pistolero à revolver. Ok. Bon, là, on sentait que ça commençait à être un peu plus dur déjà. Mais sans éprouver non plus un taux de difficulté infernal. Ouais. Pas bien serein là-dessus. Allô. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Ouais. Bon. On va arrêter sur celui-là. On va passer sur le suivant. YouTube, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour la suite.